live se trouve bel et bien sur Twitch. Nous allons donc pouvoir commencer. Et sur ce, yo tout le monde, c'est le bon berger. On se retrouve pour un petit live des familles qu'on aime bien. J'ai de la chance hein, parce que ces derniers temps j'ai du temps libre. On va faire un live par jour. On va alterner entre live Nuzlocke et live chill. Du coup, oh, cette musique. Bonjour à Gillette, je te vois, tu es dans le chat de nouveau. Alors comment vas-tu mon très cher? Je vois hein, dans le chat que tu es là. Alors dis-moi nous s'il te plaît, ça me ferait très plaisir parce que je suis sûre que tu es quelqu'un de très gentil. Viens, si tu veux, je peux te montrer. Allez, ça va être deux secondes. Alors, chef slash, si vous attendez, vous attendez pas là.
j'ai préparé, je suis désolée pour l'attente, hein, mais... Désolée pour l'attente, mais maintenant, on va enfin pouvoir commencer, allez. Voilà! Nous allons faire une petite tier list des plantes dans Première Chose Zombie 1. Hein. Vous demandez pourquoi? Parce que bon, j'aime bien le jeu, je le trouve plutôt sympa. Aussi parce que c'est mon rêve, donc je fais un peu ce que je veux. Et ensuite, voilà quoi, enfin, je fais mon rêve, donc c'est à mon rêve, je peux faire un peu ce que je veux. Et aussi, comme ça, si on veut faire le jeu en live, je le ferai, vous en faites pas, mais si on trouve à le faire. Vous aurez déjà un peu un avis, mon opinion sur le jeu en fait. Sur ce, commençons le Pisto Pro. Ça existe. Enfin, il est bon au début du jeu, je dis pas, mais quand t'atteins les niveaux plus tard du jeu, ces dégâts sont beaucoup trop faibles, hein, sont beaucoup trop insuffisants en fait. En plus, il y a le fait que tu obtiens une autre plante offensive bien plus tôt dans le jeu, donc... très tôt dans le jeu, du coup, voilà, il est en... Allez, il est en pas ouf. Tournesol. Excellent. J'aurais mis... Alors, c'est le truc qui parle pour du soleil. Normalement, pour être honnête avec vous, je l'aurais mis de base en meilleur plan du jeu. Mais le problème, c'est que tu peux littéralement, si t'es chaud, faire le jeu sans. Donc, c'est pas obligatoire de l'avoir, mais c'est recommandé. La bombe, la cherry bombe. Bon, ça, vous avez compris. Nous, en gris, nous, français, l'important, c'est que. Excellent aussi, c'est. Ça te débarrasse de tous les ennemis dans une ligne 3, dans une zone de 3 cases x 3 cases. Ce qui est énorme. Et vu que t'as, je crois, et vu que tu obtiens très tôt dans le jeu, c'est pratique. Mais pratique. Walnut, c'est un mur en fait, c'est juste là pour te faire gagner du temps. Dans ce jeu, t'as vraiment pas besoin de gagner du temps, du coup, je dirais plus que c'est moyen. Une patate, alors. Une patate, alors. Si je me trompe, alors cette plante, tu l'as, elle coûte absolument pas cher. Et quand tu la plantes, ça te permet. Mais en fait, elle est très utile pour pouvoir stall un peu et roll le soleil dès le début d'un niveau, par exemple. Donc, c'est pour ça que, par exemple, ouais, ça c'est une des meilleures plantes du jeu. Tu vois, enfin, vous voyez. Snoopy, alors. Plutôt les moyens. En gros, c'est le pistolet poids, mais en fait, il ralentit les ennemis. En fait, c'est moyen. Pour juste le fait qu'il coûte 15 soleils de plus que le pistolet poids, c'est mauvais. Mais en vrai, sa capacité à pouvoir stall aussi, c'est très pratique. Chomper, c'est de la grosse merde. Il peut one shot un ennemi, certes. Mais pendant qu'il met. Du coup, il bouffe un ennemi, ok? Mais le problème, c'est que ça prend 42 secondes pour le mâcher. Il mâche l'ennemi, il a bouffé. Mais les ennemis, eux, peuvent le mâcher en 2 secondes. Donc, c'est vraiment pas ouf. Enfin, il y a des strats où il peut être utile, mais faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment être chaud pour dire je vais utiliser le chomper, hein. Repeater,
En gros, c'est un piste au poids, mais dont la, donc la puissance, le coût, tout ça, multiplié par 2. Plutôt bon, en vrai. Le clip permet aussi d'économiser un peu d'espace, de planter juste lui au lieu de 2 pistes au poids. C'est, ouais, très très bonne plante. Oh, les pauvres fous. Alors, cette plante coûte littéralement 0, elle est gratuite. Et elle met un temps, elle prend peu de temps à recharger. C'est littéralement la meilleure plante. Voilà. C'est dit. C'est excellent. Le sunshroom, ce qui produit le soleil la nuit. Autant sunflower, c'est. Autant la sunflower, le tournesol, le sunflower, bref, elle est très bonne et très pratique. Le sunshroom, il faut qu'il prenne du temps pour pouvoir produire du soleil plus rapidement, donc c'est vraiment un moyen. Hein. Fume shroom, c'est plutôt bon, en vrai. Je trouve vraiment que fume shroom, c'est une plante sous-cotée, en fait. Enfin... l'idée du fait que tu peux taper plusieurs ennemis en même temps, c'est très pratique. Le seul problème, c'est quand c'est des gars moyens et le fait qu'il a une portée limitée, mais à part ça, il est vraiment très bon. Le Grave Buster. Attends, on va créer une section spéciale. Je te présente. C'est un outil, en fait, il te sert que dans une situation spécifique. Genre, tu t'en sers juste pour une situation spécifique, mais après, c'est pas que tu t'en sers. Alors, Hypnoshroom, bah, c'est encore un outil. Hein, un meilleur outil sert toujours un outil. En gros, l'ennemi bouffe l'Hypnoshroom, comme vous voyez, et en gros, il se retourne envers l'ennemi. Rejoint et surtout contre l'adversaire, contre ce que tu essaies d'apprendre. Bref, en gros. Alors, Scarlish. Alors, lui. Ah, lui. En gros, c'est ton pistolet poids de la... pour les niveaux de nuit. Il coûte vraiment extrêmement peu et il est utile dans les modes. Et comme vous voulez tout voir. Ice Room. En gros, lui. Et paf, tous les ennemis sur l'écran, paf, ils bougent plus pour quelques temps. Ah, mais oui, mais écoutez, oui, plutôt bon. Allez, donc, shroom. Alors, en gros, cette image d'une retombée radioactive après une explosion d'une centrale ou d'une bombe, c'est littéralement. Puis. En gros, vous voyez cette explosion, c'est littéralement ce que ce truc peut faire. Bah, c'est un outil encore une fois, hein. Un des meilleurs outils du jeu certes, mais encore un outil. En gros, pour les niveaux de piscine, ça sert à planter des plantes. Tangle Cave. Tellement sous-côté cette plante pour moi. Je l'adore, mais tout le monde considère que c'est une plante vraiment moyenne. Enfin, tu mérites d'être une meilleure plante du jeu, Tangle Cave, ok? Tu es toujours sous-estimé, mais moi je crois en toi. Je crois au fait que tu es une des meilleures plantes du jeu. Alors, le jalapeño. Excellent. Ça permet littéralement de te débarrasser d'une ligne entière d'ennemis. C'est très bien. Triple pistopo, tripiteur en anglais. En gros, ça permet d'avoir un pistopo qui tire sur trois lignes en même temps. Il coûte beaucoup trop de soleil, mais en vrai, allez.
ça passe. C'est... ouais. Torchwood, je dirais pas que c'est un outil. C'est un peu un outil, mais c'en est pas en même temps. En gros, toutes les plantes de piste de poids, genre lui, etc., sont boostées par ce truc. Donc, plutôt bon, il peut y avoir des stratégies marrantes avec. Ouais. Squash. L'écraseur. Les meilleurs points de jeu, c'est un instant comme. C'est un truc qui peut tuer un truc en un coup. Mais il coûte très peu, il se recharge vite, il a une bonne portée. Excellent. Spikeweed. Honnêtement, pour moi, Spikeweed et Spikecrop, on parlera plus tard, pour moi, c'est vraiment surcoté. Hein. Enfin. Pour moi, c'est des outils un peu au fond. Voilà, c'est dit, c'est, pour moi, c'est pas des plantes, c'est des outils. Tall Nut. Plutôt bon, c'est la Walnut, mais en plus résistant et en mieux. Sichroom. Alors, vous voyez comment Puffchoom était génial. Bah, Sichroom, c'est pareil, mais seulement plantable sur l'eau et en merdique. Non, allez, en pas ouf. En pas ouf, faut pas être fin. Planter, encore une fois, c'est un outil, peut-être même le pire outil. Cactus, ouf, vraiment pire plan de vie. De la vie. Il est tellement nul, on va lui faire un tir spécialement pour lui. Allez. Enfin, en gros, c'est juste un pistopois qui coûte un peu plus cher juste pour faire un seul truc. Que plein de plantes peuvent faire. Bref. Glover. Oh oui, oui, oui. C'est un outil, mais le meilleur outil du jeu pour moi. Magnetchroom. Ça permet d'enlever les protections des ennemis quand ils sont prêts, quand ils sont pas trop loin. Ouais, c'est. Ouais. C'est excellent. La citrouille. Ça, en gros, ça donne un. Ça donne de la défense à tes plantes. Oui. Split Pea. Alors, c'est le pistopon qu'on avait vu. Mais il peut taper derrière lui. En vrai. Pourquoi pas. En vrai, non, mais pourquoi pas. Je dis ça. Ouais. Ouais, franchement, pourquoi pas, hein, il est stylé. Mais, enfin, il y a une autre plante, il y a deux plantes qui font son travail dans mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, Starfruit, plante souvent sous-estimée, mais ouais, c'est autant excellent. Elle peut tirer dans 5 directions différentes. Du coup, bon, elle est pas très forte quand on a tout seul, mais quand on a genre une voire deux lignes, ah bah crois-moi là, ouh. Ah, c'est. Ah ouais, il y a le. Pot. Bah encore une fois c'est un outil mais pour le niveau de plafond. Cabbage Pot, bah c'est pistopois mais en un petit peu mieux. Pas ouf mais un petit peu mieux. Carrel Pot, alors c'est Cabbage Pot qui fait moins de dégâts mais qui a une chance de lancer du beurre qui paralyse les ennemis. Donc ce côté il coûte vraiment pas cher. Garlic, bon. Peut être sympa pour les stratégies, donc c'est vraiment ça. Lui il réveille les champignons pour les niveaux jours, du coup encore un outil. Umbrella Leaf, ça permet de débarrasser les projectiles que les ennemis t'envoient, donc encore un outil. Mais ils vont arrêter de faire des outils dans le jeu de merde. Alors lui il lance des pastels, ça fait beaucoup de dégâts en vrai. Cannon. Alors j'en ai oublié Marigold. Marigold c'est très simple, c'est le tournesol mais il produit de l'argent. Pire plan du jeu, voilà c'est dit. Même Cactus, c'est pas si mauvais comparé à ça parce que. Voilà quoi, lui il peut faire des dégâts mais elle même pas, enfin. Upgrade time. Alors Gatling Pea,
Si vous voyez, c'est... Vous imaginez... Mitrailleuse lourde. Vous voyez ce genre de truc, par exemple? Vous voyez des bonnes grosses mitrailleuses bien lourdes comme ça, par exemple? Ça, par exemple! C'est genre notre très cher Gatlinpi en fait. Bestia. J'ai raté combien avec ton fusil, excellent. Fume the Flower, elle se tire aussi, c'est tourne au sol mais en mieux. Cop Cannon, en gros, ce truc permet littéralement d'envoyer un missile nucléaire sur n'importe où. Winter Melon, c'est Lemon, c'est Melon Pool qui fait max dégâts bien en ralentissant. Imitator, c'est. Ouais, c'est bien en fait, ça permet littéralement de prendre la même plante deux fois. Cat Tail, c'est excellent, c'est pareil de tirer derrière soi. Ça c'est excellent parce que c'est pratique avec le garlic et voilà. Et ça c'est de la merde. Voilà, je pense qu'on est clair. Voici ma tier list. Maintenant alors, Gen 5 Pokémon Service. On va pouvoir faire une tier list des Pokémon de la 5G. Sympa. Je sais pas quoi dire sur Victini en vrai. Hein. Bah limite sur un peu. Ouais, bah en vrai, ouais. Surtout les légendaires, j'ai rien à dire. On va déjà mettre les légendaires en sympa. On va mettre tous les légendaires en sympa parce que j'ai rien à dire sur eux en fait. C'est terrible, hein, mais j'ai juste rien à dire sur eux. Je trouve qu'ils nous font ni chaud ni froid. Je les aime pas, mais je les déteste pas en même temps. Il faut des tirages parce que bon, hein, c'est ma génération préférée. Et puis voilà, c'est le plaisir. Alors. Sachant que tout Pokémon qui est en présent dans la tiriste pour la suite, pour après. Sera considéré supérieur à tous ces légendaires. Hein. Enfin, limite, on va juste faire une sautille, on va l'appeler. Celui-là, on va l'appeler légendaire. Et celui-là, ce sera le tir sympa. Allez. Voilà. Maintenant, on peut commencer. Ah, j'ai oublié avant le petit dans le chat que je mets. Alors la niveau outil de Hypélière, c'est de la merde. Enfin je sais pas, je les aime pas. Alors la ligne évolutive de. C'est vraiment une lignée que j'aurais plus aimé si j'avais pas utilisé Moustillon. Bêtement, Moustillon, voilà, un des meilleurs starters, un meilleur Pokémon, un de côté, je veux rien savoir. Le ralentif, pas ouf. Ni radar, pire.
Ouais, enfin, ouais. Poncho, ouais, il est... Ah, je le trouve mignon. Ponchien, ouais. Et Mastouf, il fait tellement rire. Ah, c'est une grosse boule de poils. Alors, Charipon, sympa, il est au pardus très stylé, hein, ouais. Les singes élémentaires, bah honnêtement, je veux dire la vérité. On va faire un tir rien que pour eux en fait, parce que pour être honnête, si Gameplay décidait de totalement effacer leur existence, ils sont tellement oubliés qu'en fait on se rendrait même pas compte qu'ils n'existeraient plus en fait, tellement ils sont oubliés. Ok. Mouna, sympa, et Moncharna, pas ouf. Je sais pas si c'est une blague. La lignée votive de poisson, donc de Vaillante. Oh, mais oui, excellent, évidemment. Évidemment, c'est la lignée de Vaillante. Zébibon, il est sympa, il est petit. Ouais, j'avoue, c'est petit, c'est stylé. La lignée votive de Noguit, évidemment que j'adore cette lignée votive. Un peu moins gigalite parce que j'ai vraiment pas beaucoup de possibilités, mais en vrai j'adore Noguit et Géolite. Honnêtement, ouais, Gooba, lui, Sonistrel et l'autre truc là, Cancrolove, non pas Cancrolove, voilà. Rototop. Sans corne, ouais. Mais par contre, Miotope a lui par contre très stylé. Style. Non, mais oui, évidemment, je suis utile. Voilà. Et Mégane. Voilà. L'inévolution de Charpentier, alors sympa. Sympa. Et pas ouf, mais meilleur des pas ouf. Et évidemment, la lignée évolutive du fils de pute qui a tué Vaillante. Alors, aucun jeu Pokémon. Voilà. Allez, voilà quoi, à un moment, faut pas être con non plus, hein. Et même son design de base, il est dégueulasse. Autant que tombe, il est peut-être un peu mignon, mais voilà, mais... Mais j'ai appris... Enfin, il... Alors, de crack. Pas ouf. Carré par contre, ouais, mais c'est stylé. Larveillette. Alors, les niveaux de Larveillette. Alors, là, je trouve très mignon. Lui, je comprends pas trop, mais c'est sympa. Lanternel, ouais, j'avoue, aussi stylé comme Pokémon, ouais. Venipat, mignon. Je sais pas. Trop mignon avec sa petite tête, tu vois, en fait, t'as l'impression qu'il s'est mal levé, il a pas pris son café, enfin, j'ai l'impression que c'est ça en voyant sa petite tête. Bien. Oui, alors, ouais, un peu, attends, il est un peu plus. Oui, ta pote, lui, j'aime beaucoup le jeu, très stylé, ouais. Ces trois là, sympa, pas ouf, pas ouf, sympa, voilà. Par contre, tu as mis les pires. Ouh, les niveaux type de... Voilà. Lui.
Marguerite. Les loups, là, ils sont sympas. Oh, wesh wesh. Ah oui, franchement, lui, sympa que t'es gros, en vrai, j'aime bien. Pas ouf, mais tant qu'à faire, vraiment, je l'apprécie. Arcapterix, c'est littéralement des sacs poubelles. C'est de là évidemment que je vais mettre dans les pierres. Voyons, Zorua et Zoroark, lui il est mignon et bah lui il est super. Chinchidou, sympa, il est mignon. Pachemiel, moins mignon et beaucoup moins fort au fond. Ouais, pas ouf. Allez, vous tuez de ma bouille. Alors, toi c'est de la merde. Toi ça passe encore, mais toi bah même ça c'est sympa hein. Le niveau type de Meios, il y a que Symbiose que j'aime bien. Ah lui j'aime bien, voilà le petit point de tombe. C'est là que mes signes un peu moins, mais voilà. L'idée de ce bout de visual dedans, franchement j'aime bien l'idée du design, donc c'est sûr que dans les séries. Et Molga, c'est le cajou, voilà, c'est mignon. Mignon, stylé. Voilà. Mais... je vous propose, vu que je sais pas trop quoi faire pour ce live. On va continuer un peu bouquin noir, hein, écoutez. On me rend compte que j'avais pas prévu grand chose pour le reste, du coup on va juste. Et les gars, vous voulez rire? Ah, c'est le Grungy, salut Panza. Et vous voulez rire? J'avais oublié de faire une save state la dernière fois. Du coup, littéralement, toute la progression du live précédent est perdue. Non, elle est vraie, j'ai vraiment perdu toute ma progression. Fait chier. Oh non, ça fait chier. J'ai perdu toute ma progression. Bah oui, je suis contente que ça va bien de ton côté, Rungy. J'ai perdu toute la progression sur Pokémon Noir parce que j'avais oublié de faire le save state. Ouais. Je suis con en fait. Enfin. Bah attendez. Thank you.
J'avais préparé un plan de secours au cas où que... Hein, c'est...
C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.
parti de Get Up Boost pour les Xbox, c'est quoi? Avec plusieurs couleurs.
Allez, à demain, et sur ce, je vous dis...